j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes sur une vidéo haul de soldes. J'ai fait les soldes en fait le premier jour. Mais j'ai fait une toute petite partie seulement, donc ce sera pas un énorme haul, mais je vais déjà vous montrer quelques petits trucs que j'ai trouvés. Et on est parti, j'ai un peu de tout, j'ai clairement beaucoup de fringues et puis un peu de bijoux et un petit peu d'articles de cuisine, mais c'est vraiment léger. Première chose que j'ai trouvé un jean chez H&M. Les jeans chez H&M, je les aime beaucoup, mais pour trouver la coupe qu'il me faut, c'est très compliqué. Mais là, je l'ai trouvé à 9,99€. Et en plus de ça, j'avais un coupon de moins 20% sur l'article le plus cher. Et il s'est avéré que c'était l'article le plus cher, donc j'en ai eu pour 7 et quelques, quoi. Donc voilà un jean. Il est hyper stretch. C'est un slim. Je m'étais plus du tout de slim. Mais je trouve que du coup, les slims maintenant, c'est plus trop des slim, donc ça colle pas à mort. Et il est un peu court, mais vu que je porte des Converse hautes, ça va le faire. Donc franchement, non. Franchement, je suis trop contente pour le prix. C'est très rare que je trouve des jeans peu chers. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, pour mon copain, j'ai trouvé une petite paire de chaussettes. C'est hyper pratique et la plupart des paires de chaussettes sont à 49 centimes, hyper soldées. Il y a plein de motifs aléatoires. Pareil pour mon copain, si ça peut aider, on a été chez BZB, anciennement Bisbee, et on lui a trouvé un sweat où il y a, je crois... Alors attendez... où est-il? Ouais. Il y a une petite broderie ici, BZB. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus parce que je suis pas sûre que c'est des choses qui vous intéressent. Et j'étais à 39,99€, moins 30%, c'est pas non plus hyper avantageux, mais bon, si on en a besoin, ça peut toujours servir. Ensuite, on continue. J'ai une tête un peu de folle. Je me suis réveillée hyper tôt pour les soldes, j'ai fait exprès d'aller tôt pour pouvoir pas avoir trop de monde. Donc je vous avoue que je me suis même pas maquillée, chignon à l'arrache. Et il pleut à mort, donc du coup j'ai une tronche. Enfin bref, on s'en fout. Allez, on passe au reste. Toujours chez BZB, je vais vous montrer quand même, dans l'ordre. J'ai trouvé cette chaîne de cheville. Couleur or, vous voyez, avec des petits yeux comme ça. Je sais plus comment on appelle, ça porte un nom ça. Et elle était à 6,99€ à moins 50. Faut savoir que dans tous les magasins pratiquement, sauf Kiabi que j'ai fait, tous les bijoux étaient à moins 50. C'est la première fois que je vois ça parce que généralement moi je vois du moins 30 mais pas du moins 50. Donc après je vais partir sur les quelques articles de cuisine, c'est très très peu. J'ai pris de chez Pyrex, vous savez les moule cakes comme ça. Il était à 5€ en sol chez Conforama. Et je sais que ma mère elle en a et c'est trop le top. Et j'ai pris également celui-là, 5€ pareil. Ça c'est pratique si on veut faire des petits trucs style escalope et tout au four. Je trouve ça bien pratique. Donc ça c'est les deux trucs de cuisine que j'avais besoin. Donc 5€ j'ai pris. Après ma mère a été toute seule et elle m'a ramené ça. Parce qu'elle sait très bien que moi c'est le genre de sweat que je peux porter à la maison. Hop, le petit Mickey. De chez Kiabi. Alors, si j'ai bien compris, elle a eu pour moins 70%. Elle l'a payé 15€ à moins 70%. Enfin, du coup, elle a pas payé 15€, mais moins 70% sur les 15€. Donc, il est très mignon et ça, c'est parfait pour dormir, pour être à la maison l'été quand il fait chaud. C'est le top. Et ben, on va passer au dernier magasin où j'ai trouvé quelque chose parce que j'ai fait plein de magasins, mais j'ai pas trouvé partout. Et donc on finit par Camailleux. Et donc chez Camailleux déjà je vous montre les bijoux parce que moins 50 moi je dis pas non parce que franchement il y a des fois je trouve ça vachement excessif, je sais pas si je suis la seule, mais parfois ça coûte vachement cher pour ce que c'est. J'ai un problème de focus ou c'est moi? Alors elles sont comme ça, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, elles sont comme ceci parce que je porte beaucoup de bleu en ce moment, donc il y en a certaines où je vais franchement pas les utiliser, mais d'autres où j'aime trop. Et puis celle-ci couleur or. Elles sont comme ceci. Donc celles-ci, elles sont à 8,99€ de base. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super cher. Et celles-ci, 6,99€. Donc elles sont à moins 50 chacune. Ensuite en haut de chez eux, quand je vous dis que je porte beaucoup de bleu, j'ai trouvé ceci. Donc en fait je le trouvais hyper original. Ça change des hauts que je mets tout le temps. En fait le col il est comme ça. Voilà. Et puis il y a des petites manches bouffantes. Voilà, donc là c'est en élastique. Et pareil, Camailleux, enfin tous les magasins ont augmenté, donc Camailleux c'est vrai que ça peut revenir cher pour une tenue. Donc là, juste ce haut-là, c'est 40€ de base, et je l'ai eu à moins 40. Voilà, donc Camailleux c'est un magasin que j'adore, mais c'est vrai que tout ça a augmenté, et c'est très très compliqué. Donc j'ai utilisé mon... J'avais un bon de fidélité de 6€, donc là en effet ça valait le coup. Et en fait, en même temps, j'ai pris ceci.
un short blanc et en fait il est élastique et la matière elle est toute douce, donc c'est hyper agréable. Donc pour mettre avec, ça allait super bien avec d'ailleurs. Et celui-là je l'ai eu à moins 50, le prix de départ il est de 29,99€, donc je l'ai eu à 15€, ça reste très raisonnable. Et il est hyper doux, enfin je sais pas si vous voyez là, le genre de matière que c'est, mais c'est tout doux. Donc voilà, des petites tenues d'été, vous savez, pour aller à la plage, c'est juste top. Donc voici pour mon premier haul de SOD, peut-être que vous en aurez un deuxième, qui dit, parce que je vais faire les deuxièmes démarques, etc. Mais c'est surtout que j'ai fait un haul de solde de choses que je devais pas forcément acheter. Donc je m'étais autorisé quelques petites pièces de fringues, mais pas plus que ça. Après j'ai pas fini les soldes, donc je vais me taire, ça se trouve je vais vous sortir je ne sais quoi. Mais j'avais vraiment prévu d'ailleurs, en commentaire, si vous avez des bons plans par rapport à ça, j'avais prévu de rechercher un micro-ondes. Mais c'est vrai qu'un micro-ondes c'est pas donné. Moi je m'attendais pas à des prix de presque 200 balles pour beaucoup. Et puis sinon on se renseignait pour les canapés, pour les... alors attendez, canapés et les machines à laver. Donc on essaye de vraiment regarder au maximum, mais c'est vrai que il n'y avait pas grand chose cette année, donc bon, on verra bien en fonction des deuxièmes démarques, des fins de série et tout. Mais voilà, du coup je suis partie sur carrément autre chose, mais c'est pas grave, ça servira toujours. Ah, j'ai acheté autre chose aussi, j'ai oublié de vous montrer. Attendez, je vais chercher ça. Eman, j'ai trouvé des petits torchons. Donc la couleur, c'est exactement la couleur que je vais avoir partout, du beige. Et puis chez But, j'ai trouvé ces mugs. On en a pris 8, je sais pas si vous voyez de près. Je les trouve trop beaux. Et des bols qui vont avec. Voilà. Donc ouais, non, on a trouvé pas mal de choses. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez trouvé aussi des choses, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.